Nous saluons tous les téléspectateurs, téléspectatrices, tous les clients de l'hôpital Notre-Dame SA qui ont regardé nous là. Nous comptons pour nous rentrer à Caillou, nous porter pour un sujet très très important. Nous allons parler de cancer colon. Avec moi, chirurgien général de l'hôpital Notre-Dame SA et en même temps PDG de l'hôpital là, Dr. Chilov Viard, qui nous dit bonsoir. Nous saluons Mémérus, nous saluons tout le monde qui a regardé nous là et nous comptons nous avoir un petit moment ensemble. Bien. Comme nous disons, nous allons parler de cancer colon. Nous allons essayer de voir qui ça colon est, qui côté situé dans le corps. Et cancer qui ça lié et symptômes, cause, stade, âge. Nous allons voir également qui espoir qui gagne pour le monde vivre si toutefois il y a un cancer colon et série d'examens. Moun sa capable de faire. En gros, c'est ça que nous allons développer dans l'émission jeudi. Docteur Viard, une autre fois encore, nous saluons et contents pour nous avec téléspectateurs, téléspectatrices. Tout d'abord, qui ça, colon est? Colon, il y aurait les gros intestins, c'est gros trip en moun gen. Ok? Wally, c'est le manger à fin de faire tout pas coulant, petit trip, il tombe dans le gros trip là. Et une fois tombé dans le gros triplan, il y a les matières fécales, il y a les selles. Donc, la première partie dans le colon qui commence à droite, là, c'est l'antigène liquide toujours, et le colon va jouer un rôle, l'absorber, l'appréhender, l'eau qui est là dans le et l'appréhender, le reste électrolyte qui est dans la selle que l'intestin triplan peut fin absorber. Et puis, une fois, elle va le passer dans l'autre. Partie, son partie transversale, comme ça, l'encore, il va y avoir le colon transverse même, et après ça, il va descendre dans l'autre partie que le colon descendant, et descendre, sur le bord gauche, ou bien colon gauche, ensuite, il va venir dans le colon sigmoïde, après ça, celle-là va chiter dans le réservoir, que y le rectum, captant que ou joigne ou paré pour aller à la selle, pour une toilette qui tout paré, et pour aller à la selle. Donc, colon, c'est le rôle de ça, éliminer matière fécale. Okay? Et deuxième rôle, tout déchet que le corps n'a pas besoin de l'éliminer. Et deuxièmement, il joue un rôle côté l'absorber l'eau qui est dans celle-là. Et il joue un rôle d'absorber l'électrolyte minéral qui est dans celle-là. Et qu'on y a un cancer colon? Un cancer, définition, c'est que tout corps renouvelé tout le temps. C'est-à-dire que cellules corps, ils ont fait en leur, ils vivent, ils mourent. Et puis, il y a l'autre qui fait. Cellules intestins, quand ils vivent, quand depuis qu'ils fait, ils vivent, ils fait 3-4 jours, ça dépend, ok, de cellules, et puis ils mourent. Ensuite, l'autre fait encore. Mais là, pour une raison, pour l'autre, on partit dans le colon, côté que production fait souvent de manière anarchique, elle dit que l'hyptobe est multiplié plus vite que toute reste partie dans le colon, et bien le sal vient former une tumeur, et tumeur, ça, c'est son tumeur maligne, son cancer, ça veut dire que l'hyparité dans le colon, l'hyparité, ce qui n'est pas au colon, l'hyparité traverser même à l'autre organe, l'hyparité dans l'autre partie du corps, poumon, etc. Donc, il dit que tumeur, ça te gagne, comme il y a tendance à paraître dans la place, il veut gagner à l'autre côté, il dit qu'on tumeur maligne tout. Okay? Donc, en tumeur, son désordre, son anarchie qui gagne, cellules en cellules, viennent pas prendre commande encore, ils tombent multipliés sans arrêter. Ok. On a une cause maintenant. Qui est capable la cause du monde, il y a cancer colon. Ok. Cause que vous pensez, bah, qui joue un rôle primordial, là. Et je pense que c'est un cancer qui vraiment allait à théorie que un monde va poser tombeau, ça avec dents. Il dit c'est jour manger ou creuser tombeau. Donc, il y a un cancer côté que qui lié en pile à l'alimentation. C'est comme si Mdadou, yo suivant un japonais qui vit au Japon, et bien, il n'y a pas grand pile chance de faire cancer colon. Même japonais qui vit aux États-Unis, il y a une grand pile chance de faire cancer colon. C'est même genre tout l'autre observation nous fait nous-mêmes comme chirurgiens. Cancer colon, là, il dit, c'est après 50 ans, 70 ans, on fait. Tandis que ici, dans la pratique chirurgicale, nous jouons un pile jeune, 24, 26 ans, qui vient de cancer colon. Qui ça doit passer? Ou bien doit être lié à l'alimentation. Et très certainement lié à l'alimentation. Parce que c'est manger, cap sorti l'autre bord, qui fait avec hormone, l'autre bord, qui n'a pas de contrôle. L'idée, c'est que douane doit qu'elle manger pendant le temps ou pas consulter le conteneur réfrigéré. Après ça, la terre, on côté
ou par contre si on te conserve chaîne foie et puis là vini ici bien doit se en moto la flâne tout le temps alors que son poule qui t'a supposé être congelé donc finalement le manger ça leur vient ça atterrir dans plat manger et ben li vini avec des substances là-dedans qui ka gen tendance pour développer cancer colon. Donc c'est pour ça que penser alimentation c'est première cause. Pour ça, yo wè que en population le la vive la kay li, li pa manje tant kou moun grand pays industriel yo a manje, eh ben population ça va faire cancer colon. Une fois dans pays industriel la même population ça vient faire cancer colon. Deuxième bagay yo wè yo dit semblé gen une cause héréditaire. OK. Ça dit que si papa ou maman te fait malade du cancer colon, eh ben ou gen pile chance papa ou maman ou bien un frère ou bien on sœur te fait maladie cancer colon, mais faut veiller tout en pile parce qu'il y a plus chance pour développer cancer colon. Mais malgré tout, ils pensent que hérédité il est à 75% des cas. C'est-à-dire que en pile monde pas besoin de dire comme maman va pas me frère monsieur pas faire cancer colon donc pas faire. Donc c'est peut-être quand dit tout cancer colon yo joignyo, ça c'est une jeune sang 25 là dans yo, te gen maman à papa à sœur à frère te faire. Donc, reste 75 ans, pas de aucun rapport. Okay. Donc, c'est pour ça l'alimentation, vous pensez pour beaucoup. Ok. Quel est le monde capable de sentir que il a un cancer au colon? En fait, c'est ça le bagarre avec le cancer. Des fois, si vous acceptez mieux qu'une vague, vous pas comme c'est spécifique. Mais nous toujours un consensus qui fait côté que, je dis que sous habitude, transit intestinal. Ça veut dire que j'en te canal la toilette là. J'en tape toilette là. La toilette là, j'en tape toilette là. Souvent j'en te canier à un petit j'en changé depuis plusieurs semaines, comment se poser cette question. Ça veut dire que ça, sous ta ouais que ou vin a pédé gen gaz. Sous ta ouais que ou a pédé toilette liquide gen diarrhée. Ou a pédé gen constipé. Alors que ou pas de constat avant. Mais il faut poser cette question. Si ça a duré plusieurs temps, si dure moins qu'une semaine, on n'a pas besoin de tout. Okay. Mais s'il commence ouais, plusieurs semaines, mois privé, et pour dire que, et par contre, ça me dégage dans la toilette, ça va me prendre là. Comment on fait mal plusieurs fois, comment on fait me faire deux semaines pas aller. Vous comprenez? Donc là, ça, il faut poser la question. Deuxièmement, l'autre ça encore qu'à suivre, ça important, c'est sous ta garde ou ta ou à perdre du poids. Sans raison. Elle dit, c'est pareil, j'ai moins fait, et vous ou à perdre du poids. Ça, c'est quand on cause. Donc, maigri. Ou vient à perdre du maigri. Ça, c'est quand on signe qu'on veut poser question. L'autre chose qu'on a dit, bon, ça lui-même, c'est très important. Sous ta ouais, comme si vous avez toilette, et vous avez baillé sans la toilette. Ou bien toilette ou noir. Elle dit, toilette ou t'as une pile mauvaise odeur, et puis elle est tout noir. Ou bien la pas, ou bien sans même ou baillé. Donc, ça, c'est des signes qui t'a fait passer, ou bien une douleur ventre. Que, ou pas habitué à gagner, ou pas pour qu'il soit pédé, douleur ventre, des crampes, mais demander pour garder un docteur pour chercher qu'on est, est-ce que ce n'est pas un problème cancer qui a développé. Oui, je suis allé pendant parler de gaz, parce que il y a un haïtien qui dit qu'il souffre de gaz, et ça a même duré un peu de temps. Oui, c'est-à-dire que si vous vivez normalement, et que vous avez un peu de gaz, troubles digestifs, ça y est, on peut des gains crampes, on peut des gains douleurs, on peut des gains, ça y est, oui, demander pour y contrôler. Ok. Mais est-ce que dans le cancer au colon, il y a un stade où on est capable d'arriver et soit nous dit dans le stade 1, dans le stade 2, ainsi de suite? Ok. Oui, il y a une classification qui est en cours, c'est une classification, Duke. Ok, ma vente en tant que spécificité pour ça, mais c'est comme si c'est des stades côté que si cancer jusqu'à présent lié au stade de côté la muqueuse, parce que quand cancer a développé au dépend de paroi intestinale, donc si le stade direct la muqueuse là, il y aura un stade. S'il commence à franchir, il y aura le stade 2, muqueuse là, la branchie. Si l'atteint et jusqu'à ce l'atteint séreuse là, ou bien s'il commence à gagner la zone là, ou bien il gagne la ganglion. Parce que le cancer colon est en côté, et puis la gaye, par exemple, la vessie, la gaye, la matrice, la gaye, le côté. Ou bien, ça dit la zone qui est tout près, tout comme tout le cas décidé la gaye plus loin, quand on a foie, quand on a zoo, quand on a poumon, quand on a cerveau. Donc, à chaque stade, à chaque et déjà au jeune développé un yo kameto ou un stade en particulier et leur ça ou une expérience de vie bien sûr en particulier une chose peut-être pas songer mentionner
là on a parlé de cause, il y a que le cancer là développé lentement pendant ce stade là tout ça vient dans tête moi, un cancer développé lentement, cancer colon, il pas développé en pile et il y a ta semblé ouais que il toujours développé au départ en polype. A dit la colon en polype son petit excroissance, c'est comme si on t'a dit son petit chèque qui poussait le temps qu'on on petit boule qui que muqueuse la poussait et petit chèque ça qui poussait là au jeune dans colon moun le plus souvent en pile fois les bénins elle dit pas cancer mais le lab développé cancer par exemple petit chèque apparaît petit chèque ça c'est en dedans colon en dedans triple là le paraît un petit chèque ça prend 10 ans pour le tourner cancer. Quand si l'elle fait pas être pour cancer, pour les plans, mais elle peut prendre 10 ans pour venir tourner cancer. Donc c'est pour une maladie qui évolue vite. C'est pour ça que nous commençons à vouloir entendre nous, d'accord, nous-mêmes docteurs, pour nous et chercher, encourager les gens à chercher qu'on est plus vite. Oui, parce qu'on est cancer, plus qu'on est le bonheur, plus qu'il y a possibilité pour traiter la maladie. Ça. Bon, facteur, tu as souligné tout à l'heure pendant le début. Émission, on a parlé de l'hérédité. Maintenant, à quel âge le monde capable de faire cancer au colon? Ok. Yo, ouais, que si on prend tout le monde sur la planète pour regarder qui fait cancer au colon, yo, ouais, que moitié là-dedans, c'est après 70 ans. À 70 ans et plus que moitié là-dedans fait cancer au colon. L'autre moitié a fait l'avant, Laïcha. Ok? Ça veut dire que c'est pour ça ouais, que. Bon conseil de consensus en gastro théologue, chirurgien, tout le monde qui l'a dit maintenant, pour que nous fassions dépistage là, surtout si tu as une famille, on dit un plus bonheur, mais si tu as une famille, on dit 50 ans avant de commencer. C'est-à-dire à 50 ans, il y a un petit test simple que nous avons fait pour nous connaître est-ce que quand c'est à développer, si tu n'as pas de signe du tout, si tu as un signe, c'est bien sûr ça avant 50 ans, parce que nous avons parlé nous, de jeunes 26 ans, 24 ans, que nous-mêmes personnellement faisons diagnostic cancer colon. Mais supposons que vous n'avez aucun signe, vous n'avez aucun symptôme. Et bien, on est arrivé dans l'âge 50 ans, et bien, on a un test simple qu'on a fait. Vous voyez? Donc, depuis ce test ça, qu'on est positif, nous allons passer à l'autre étape. Ok. Il dit cancer colon ou colorectal, qui est-ce que de thème ça yo applique? C'est la même chose, yo applique même genre. Parce que je me dis du colon, il y a un réservoir qui est le rectum. Ok, donc c'est réservoir ça que quand on parle de lui, on dit que le cancer colorectal, considérant que la majorité des cancers dans tout colon, yo, plus rivé dans la zone recto-sigmoïde. C'est-à-dire presque 60% rivé dans le petit bout pré-anus là. Parce que tout reste colon, il reste là. Ok. Qui espérance de vie et mon gain est capable de vivre? Survie à 5 ans, cancer colon, très bon. 5 ans? Survie à 5 ans. Parce que le regard des cancers, il garde survie à 5 ans. Vous comprenez? C'est-à-dire que sous 5 ans, combien de monde est capable de tirer de vivre toujours? Okay? Mais laissez-le garder dans une phase avancée. Non. Ça vient le suivi à 5 ans, c'est-à-dire que le diagnostic, le fait traitement, ou qu'a fait 5 ans à vivre. Ok. Ouais, ça veut dire que les gens vont survivre à 5 ans. Quand si on pas diagnostiqué ou être là quand c'est apparaît, le temps de développer ça sont l'autre cas. Mais ça veut dire que mon diagnostic est un monde qui fait cancer colon, nous fait chirurgie, nous fait chimiothérapie, nous fait radiothérapie, nous fait ça qu'on fait, suivi à 5 ans très bon. Gain cancer même là on fait traitement, suivi à 5 ans pas bon. Quand vous cancer pancréas, cancer estomac, suivi à 5 ans pas bon même. Bah vous mettez fait tout ça d'ailleurs vous faire à peine soit fermé. Ok. Vous comprenez? Ok. Parce que le corps a fait 5 ans. Alors si vous comprenez, le monde qui a un cancer, pas une guérison ou lui? Gain cancer, non. Gain oui. Par exemple, cancer sain, ou qu'a guéri, ou qu'a déclaré guéri. Suivant le stade où tu prends pour te faire traitement. Mais il y a suivi tout le temps, mais il y a fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, ou à vivre. Vous avez plein de monde qui a 20 ans qui a diagnostiqué de cancer sain. Qui opéré et puis qui toujours à vivre. Ok. Bon, c'est quand même qui a regardé nous là, tu as aimé me poser une question ça vous. Est-ce qu'il y a un examen pour le cancer colon? Ok. C'est une très belle question. Moi, j'en tape du là, c'est que pour un premier examen que vous pouvez faire, surtout dans le cadre de dépistage, c'est un examen qui est sans occulte dans les selles ou bien Gaillac test. Okay. Nous faisons dans l'hôpital Notre-Dame, c'est-à-dire que ça, ou pas aucun signe, aucun symptôme qui t'a fait vouloir penser à cancer. Ok? Mais, soit une histoire familiale, ou inquiet, ou bien,
ou qui était au gain 50 ans. Et ben là ça avec notre toile et tout, n'a font dépistage, d'avoir regardé est-ce qu'il y a titre à 100 qui a passé. Parce que ou pas ouais 100 ou pas ouais toilette la noire et pourtant l'un fait test là ici en vous, nous ca joindre que le positif. Mais début test ça positif, nous va passer en deuxième étape que le colonoscopie ou bien coloscopie. Vous comprenez? Mais si qu'on y a une histoire familiale, ou a baissé sang, ou a une douleur crampe, ou a perdu du poids, ben le sang, nous ne pouvons pas perdre trop de temps, nous allons tout aller dans la coloscopie. Hein? Côté que nous parlons, quoi, ce coloscopie est intéressant, nous allons regarder ça tout à l'heure, nous allons regarder l'appareil là. Coloscopie, son appareil que vous rentrez là, nous allons regarder toute colonne, il permet que vous qui problème qui gagne, est-ce qu'il y a des polypes, est-ce qu'il y a des diverticules qui sont en sorte de petit sac qui la colonne, est-ce qu'il y a une tumeur ou un cancer n'a pas l'air, est-ce qu'il y a un stade ça, ou bien les diagnostics n'importe quel problème vasculaire, malformation, tout ça, et puis non seulement il permet que nous ouais qui problème ou bien, mais deuxièmement, il permet que nous ka toucher. Ça me dit ka toucher, nous ka prendre un petit morceau dans la maladie nous ouais, ou bien dans le problème nous ouais, pour nous analyser, pour nous connaître. Par exemple, nous avons un polype, est-ce que le polype ça malin ou bien. Ensuite, l'hôpital Notre-Dame, nous avons un équipement tout, pour nous avoir un polype, nous ka tout retirer. C'est-à-dire tout faire opération, la même colonoscopie, endoscopie digestive basse, là, la même colonoscopie, nous tout rentrons ensemble. Et puis, nous tout retirer pour les plans, nous voulons l'analyser. Et puis, nous tout connaissons, tout le bagage, tout fini. C'est exactement la question que nous allons poser. Est-ce que nous avons des matériels ici pour nous faire examen colonoscopie? Est-ce que nous sommes capables de faire une démonstration pour montrer tes déceptions? Nous avons fait ça sans problème. Nous allons regarder ça. Okay. Mémérus, en colonoscopie, c'est un tube flexible okay? Qui a une fibre, qui a une source lumineuse en lumière froide. Ok, et puis tube là, gon caméra là dedans qui permet que nous ouais image que n'a regardé dans l'écran ouais même fait même sous lui, alors que au lieu le noir pour il paraît tout noir image là qu'apparaît et c'est même ça qui passe dans couleur. Donc tube ça relié à une source lumineuse et avec une vidéo qui convertit source lumineuse gon insufflateur tout comme si ouais la baille vent la pousser l'air, c'est de manière à ce couleur dilaté pour tube là qui rentrer sur toute longueur jusqu'à 1,50 m pour nous garder totalité colon net pour nous connaître est-ce que malade là gon polype, est-ce qu'il y a cancer, est-ce qu'il y a tumeur. Et chaque fois nous jouons une image suspecte, n'a prend ça OK qui gain qui gon pèse la donne, côté que infirmière là, leur lit actionne et l'ouvre, l'homme dit le ferme et la ferme, donc on a fait ça avec des biopsies. Ok? Si on a passé pèse ça, le canal ça, ok? Pour lui sortir, le point apparaît là. Et automatiquement, pendant qu'on a fait coloscopie hein, pour le patient, ok? Il est possible pour que nous tous, non seulement nous, ouais, mais les bonnes possibilités pour nous faire des biopsies, c'est-à-dire des prélèvements, ok, nous avons personne qui paraît là, extrémité appareil, donc ça permet que nous ouvrir, nous fermer, nous faire biopsie, nous retirer personne une fois nous faire biopsie, et nous mettre lui dans une petite bocal qui nous forme la donne pour que nous voyons analyser. L'autre chose que je dis nous aussi, il y a l'autre appareil parce que il y a l'autre pince qui permet que nous faire des gestes. Par exemple, si nous avons tapé sain, nous devons utiliser ça pour nous camper l'hémorragie que nous avons. Tout comme si nous avons un polype, j'aime tap dit là, nous avons un équipement pour. Ouais. Équipement ça avec équipement ça nous capable d'entrer nous passer les sous polyplan et puis nous les relier en côté pendant n'a serrer la brûler et polyplan tomber et le polyplan fin coupé bien coupé pour tomber n'a rentrer panier ça OK pour nous ca récupérer polyplan voilà panier sorti et puis nous ramasser satisfait retirer, ok, nous serrer et puis nous râler
mettre dehors. Et polype, ça, on va mettre dans le colon. Petit bocal. Dans petit bocal pour nous voir analyser, pour nous connaître est-ce que polype, ça, t'es bénin ou bien est-ce que polype, ça, t'es malin. Ok? Donc, ça, c'est scope-là. Ça permet que nous faire mouvement. Ok? Pour nous passer, côté nous voulons passer, pour nous caler tout colon. Ok? Hein? Pendant que tu viens faire coloscopie. Ok? Voilà. Merci, docteur Viard. Je pense que les téléspectateurs ont bien compris, bien oui, hein, démonstration que vous avez fait là pour vous. Maintenant, à qui ça a servi coloscopie? J'aime d'abzola, c'est deux choses. Un, il permet que nous ouais problème là, surtout comme nous avons un cancer colorectal, il permet que nous ouais polype là, que nous avons développé, tapal tourner le cancer là. Deuxièmement, il permet de nous faire biopsie, c'est-à-dire pour un petit morceau pour analyser. Troisièmement, il même permet que nous tout retirer polype là pour vous analyser. Donc c'est avantage là. Donc c'est pour ça que vous même mettez le comme un examen qui rentre là comme deuxième étape dans le dépistage cancer colon. Ok. Maintenant, avant d'arriver dans la coloscopie, maintenant, est-ce qu'il y a un mode de préparation? Hein? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que mon qui va venir faire examen coloscopie, là, il vient de l'hôpital Notre-Dame, mais il n'y a pas besoin d'inquiéto. Il n'y a pas jeune infirmière pour dire qui ça. 3-4 jours, plus 4 jours avant coloscopie, là, éviter tout ça de fibre. Okay. Parce que fibre, pas entrer dans le corps, il était pour sortir, pour venir former matière. Donc, il n'y a pas manger fibre, pour feuilles, fruits. Bah, légumes, bah, ça y est, bah, ça, justement, avoine, les poils plus, prend bagay, liquide, 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 liquide. Et puis, la veille, Mr. Wall dit, la poil prend lavement. La poil prend du colax, ou bien, les poils prend, ça dépend de méthode de préparation, les poils prend liquide, qui va faire le toilette net. Il va faire comme si il y a pour le vider colon net. Et c'est ça pas intéressant. Et puis, le matin, il va le refaire lavement pour lui. Pour ça, parce que l'objectif, c'est que faut colon clean de toilette. Depuis le clean de toilette, le n'a passé n'a pas pi bien, pas ou muqueuse. Parce que si il y a toilette, toilette la cacachon pour lui. Et puis, pas ou polype là. Et puis, nous avons pour lui. Pourtant, son toilette qui masque. Faut colon vide. Faut colon vide. Donc, c'est préparation, c'est pour mettre colon vide. Ou bien pour anesthésie, c'est tout. Avant, donc, en préparation, il y a un examen à faire pour vous, examen sang, suivant la jour, il y a un examen cœur, il y a un radiographie, pour un anesthésiste, docteur anesthésiste qui a venu, qui a fait une consultation pour vous avant jour examen. Mais comment ça est capable de dérouler? Mais c'est ça, du jour venir en connaissant, ainsi ça te gagne temps ou fin préparer, il y a mettre sérum pour vous, ainsi ça prendre bon médicament pour dormir parce que ou faire soit anesthésie, il dit que monde qui perd douleur, ou c'est ouais tube, il dit gros tube, ou gagne douleur, ou pas gagne douleur. Après ça quand on tigène parce qu'on est là on t'a fait là, nous t'a pas entrer vent, là pour gonfler intestin, qu'on a vent ça pas besoin sortir. Donc il y a bon petit crampe tout petit, mais gagne médicament nous baou pour diminuer douleur. Après médicament antispasmodique. Ok, donc ou coucher, on couche sous côté, ok, ou soit anesthésie ou bien on coucher sous dos, dépendamment de gens plus facile pour nous. Et puis examen dure 30 minutes, dépendamment de est-ce qu'on a besoin de faire intervention en termes de si on a bien fait biopsie ou si on a bien fait biopsie. En 30 minutes, nous sommes arrivés et puis nous tournons. Et ça fait toujours dire et que pour examen dure 30 minutes, ce n'est pas la peine pour monter pour ton presse, c'est-à-dire que pour aller. Risquer vie ou bien obligé à dormir quand au monde et faut te préparer ou comprends ça dire que ou doit faire plusieurs jours parce que on doit sentir faible ou pas de monter la veille exactement et puis pour faire une équipe préparation pour au point ça faut équipe temps de l'autre côté pour 30 minutes d'examen. Donc examen disponible en sud faut nous profiter au maximum de lui pendant lui là. Mais est-ce que pas un risque l'homme n'a pas fait une coloscopie? Oui, et je suppose pas ça avec nous tous, c'est qu'il y a un risque. Mais risque, rare. Mais il y a qu'à arriver. Par exemple, risque qui gagne pendant qu'on fait examen, bien sûr, il y a un risque lié à l'anesthésie en lui-même, parce que les bois pré-anesthésie, toujours un risque. Il y a un risque lié au fait qu'il y a un sérum là pour l'infiltrer, etc. Ou bien bon, c'est infection là-dedans, ça c'est un risque qui existe. Il y a l'autre risque quand on coloscopie, mais c'est un risque qui rare fois arriver, quand on a une perforation. Ça arrive
une fois sur 1000. Ah. Ok, perforation, l'erreur. Et mais on est là où on bagarre là le sérieux comme c'est 100% de ok deuxièmement quand il y a une hémorragie quand on leur fait biopsie ou bien leur retirer polype quand il y a une hémorragie au sein ok donc en gros c'est deux risques ça qui gagne mais avantage qui gagne à l'hôpital national c'est que et coloscopie nous fait là-dedans l'hôpital. C'est-à-dire que, on peut avoir un chariot que l'on a fait démonstration, malade a couché sur le chariot. C'est-à-dire que même si le risque est arrivé, nous armés pour nous résoudre le problème. C'est-à-dire que si on peut un risque très rare est arrivé, par exemple, une perforation, nous glissons dans la salle d'opération et puis nous réparer la perforation au moment. Vous comprenez? Mm-hmm. T'as un risque hémorragie, nous avons une substance là, nous gardons l'abcès, nous avons ça me montre là, et puis nous capons ses mains. Nous gardons les et puis nous brûlons, nous capons ses mains. Ou même par l'autre substance, nous laver, nous garder jusqu'à ce que tout soit OK et puis nous retirer. Donc c'est pour ça que coloscopie est faite en milieu hospitalier. Le plus souvent que c'est la clinique, c'est pour le gain risque. Même elle est très rare, mon connaît, il faut toujours penser à plus qu'au café moins. Après examen, après coloscopie, on a pour lever pour l'aller. Oui, après coloscopie, on a sous anesthésie, on fait deux heures de temps sous surveillance. On a regardé sous réveillé net. Une fois réveillé net, on a la caillou. Mais il n'est pas recommandé pour conduire. Elle dit que soit on prend un taxi pour aller à la caillou, ou bien on te vit dans un monde qui peut conduire pour. Ok? Et puis demain, si Dieu veut, on reprend toute activité. C'est anesthésie locale ou générale? Non, générale. Oh, général. Madame, monsieur, c'est tout ça que vous avez pour vous, client à l'hôpital Notre-Dame SAO, mais je ne peux pas aller sans me poser une dernière question. Ça. Maintenant, qu'est-ce que vous avez fait pour éviter le cancer du côlon? Ça t'a dit, si nous avons parlé de ça. Au fait, ça m'a dit non, songez que l'alimentation pour beaucoup. Ok? Parce que déjà, m'a dit non, viande rouge, c'est des facteurs prédisposants. Et nous avons dit, par exemple, graisse, c'est facteur prédisposant. Pas le facteur de risque. Quand tu viande rouge, je voulais faire allusion à viande bœuf. Viande bœuf, viande cabrit, viande cheval, parce que viande cheval. Yes, yes. Mm-hmm. Ok? Ensuite, nous avons parlé de manger en pile graisse tout. C'est des facteurs de risque. Fumer, c'est facteur de risque. Ok? Et qui ça nous pas dit? Là, l'alcool, c'est facteur de risque. Ça veut dire que si on veut éviter boire, éviter fumer, éviter graisse, éviter une série de viande, et ça, ensuite, on ne peut pas vivre pour ne pas manger un pile fruits et légumes. Parce que si on ne pas manger assez de fruits et légumes, c'est un facteur de risque. Je connais des gens qui ne prennent jamais rien, ils vont boire de l'eau, sauf que les choses douce. Est-ce que vous avez un risque pour faire pour le cancer colon? Le fait que vous ne prenez pas de l'eau? Il ne va pas boire de l'eau du tout. Du tout? Du tout. Ok. De l'eau, c'est gazeuse ou bien jus douce? Bon, les exposés à autre chose, mais il faut boire un peu de liquide. Ça, okay? Pour de manière à ce que et celle-là capable de constituer plus bien. Okay. Donc, il faut boire un peu de liquide, de l'eau, c'est meilleur liquide là. Gazeuse, gain l'autre effet sur l'autre bagaille que nous ne pouvons pas parler aujourd'hui. Hein? Okay? Trois sucres, tout gain effet pâle que nous ne pouvons pas parler de livrement aujourd'hui. Hein? Mais en gros, boire un peu de l'eau, boire un peu de jus sans sucre, c'est toujours bon. Et surtout, boire manger un peu de fruits et légumes. Parce que plus on mange, si on mange 5 fruits différents, 5 légumes différents par jour, on réduit le risque pour faire tout le cancer qui est gagné même. Voilà. Madame, messieurs, c'est toute santé pour vous dans l'émission spéciale ça. Merci, un grand merci à Dr. Shilov Viard. Je m'en rappelle Dr. Shilov Viard, c'est chirurgien général et l'hôpital Notre-Dame SA, en même temps PDG, président directeur général. Merci, Dr. Viard. C'est notre remerciement, nous te contentons. À la prochaine.